que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une de mes vidéos préférées que j'adore filmer et regarder aussi, je regarde que ça. C'est un haul de printemps et c'est un haul de Shine slash Shein, peu importe comment vous dites ça. C'est la compagnie que j'adore, leurs vêtements. Je sais que vous aimez vraiment beaucoup quand je fais des vidéos de haul Shine, donc je me suis dit qu'aujourd'hui, je pourrais vous montrer ce que je me suis récemment acheté. Il y en a pour environ 300$ de vêtements, donc c'est ça. Donc tout d'abord, j'ai fait une commande de vêtements, plus autour de vêtements de sport, que je voulais me motiver à m'entraîner. Un item qui est vraiment un essentiel à avoir sa garde-robe que je me suis procuré, c'est un top de sport blanc. Celui-là, il y a comme des petites cordes comme ça dans le dos. Vraiment, vraiment beau, je l'aime vraiment beaucoup. C'est sûr que c'est pas la meilleure qualité. Un top de sport de meilleure qualité, moi j'aime vraiment beaucoup la compagnie Vita Apparel. J'ai une coupe de leurs vêtements de sport. Mais celui-là fait vraiment l'affaire, là. Je me suis entraînée plusieurs fois dedans puis il soutient vraiment bien. Je crois que j'ai pris medium. Puis ben c'est ça, je l'aime beaucoup. Ensuite, quelque chose qui est quand même assez à la mode ces jours-ci, c'est un petit col roulé. Le mien est comme crop un peu, là. Il est vraiment vraiment court. Bon, si j'allais dire quelque chose par rapport à ce col roulé-là, premièrement, il est vraiment beau, il est vraiment de bonne qualité. Mais un point que j'aime un peu moins de celui-là, c'est qu'il est vraiment très court. Puis quand tu lèves les bras, ben on voit tout à la brassière, donc c'est pas génial. Mais moi, ce que je fais, c'est que je le porte avec ce top de sport-là en tout, fait que c'est moins pire quand on voit en tout, c'est comme ça dérange pas. Moi, j'ai pris small, donc si vous voulez prendre un peu plus grand pour que justement on voit pas la brassière, ben vous pouvez faire ça. Mais sinon, en général, je l'aime vraiment beaucoup, là. Il est parfait, puis la qualité, là, la texture est vraiment vraiment belle, là. C'est un tissu super confortable, puis j'aime vraiment le fait que le col roulé monte pas trop haut, parce que je sais pas, je trippe moins quand le col roulé il monte vraiment haut. Puis d'ailleurs, si vous aimez pas le fait qu'on voit votre brassière quand vous levez les bras, ben ça peut être vraiment cool aussi de le mettre en dessous de d'autres vêtements. Je sais que c'est vraiment à la mode de mettre un col roulé en dessous d'un crew neck ou en dessous d'un t-shirt. Ça peut être une option aussi. Quelque chose que j'adore porter puis que je porte vraiment souvent, c'est des graphic tees. J'ai comme une assez grosse collection, puis j'avais envie d'en rajouter, donc je me suis pris ce beau petit graphic tee là avec des petits anges. Je trouve ça vraiment cute, là, la mode des petits anges comme cela. Il est vraiment mignon. Je l'aime full. J'ai pris quand même un médium, puis il est quand même assez grand. Là. Fait que, tu sais, un small, ça m'aurait fait aussi. Mais je voulais vraiment être certaine qu'il fasse l'effet oversize, parce que je voulais pas qu'il soit comme serré. Fait que ça, ça dit Guns and Roses, Sweet Child Oh Mine, je pense. En tout cas, je l'aime beaucoup. Là. Je vais porter souvent avec des jeans, puis tout. Je trouve ça bien mignon. Ensuite, un de mes items préférés, c'est cette belle chemise-là. Ils vendent comme la. Presque pareil sur Princess Polly. Si vous connaissez, c'est vraiment une autre compagnie que j'aime vraiment beaucoup, mais ça coûte assez cher. Puis ben celle-là, elle était vraiment moins chère. Et je l'adore. Je trouve tellement que ça fait des beaux outfits, là. Je l'ai déjà porté sur des photos Instagram, comme vous pouvez voir ici. C'est vraiment ma chemise préférée, là. Je trouve que ça rend vraiment un outfit comme fashionable. T'as l'air d'une fashion blogger quand tu portes ça. Par exemple, je trouve que la texture est un peu weird. C'est pas la meilleure texture, mais elle est très belle. Puis elle est très confortable aussi, là. Je l'ai pris quand même grande aussi. J'ai pris medium. Je roule les manches aussi. Fait que c'est ça, un de mes items, bref. Bon, le prochain item, c'était un de mes items préférés de ma commande que je m'étais fait. C'est des leggings de sport verts comme ça, de camo genre. C'est une copie conforme de des leggings Gymshark, sauf que la qualité, elle est pas la même, je dois vous dire. En fait, c'est que je pense que j'ai commandé une taille trop petite. Tout le monde dans les commentaires disait de prendre plus petit que votre taille. Souvent dans les leggings, c'est ce que je fais parce que je me dis que je veux que ce soit serré. Sauf que j'ai pris des small, puis j'aurais vraiment dû prendre des mediums. J'aime vraiment beaucoup ce que ça faisait un fit très serré, sauf que ça a fait un trou dedans, au niveau des fesses, donc je peux pas vraiment les reporter. J'aimerais vraiment ça m'y recommander en medium par contre, parce que vraiment je les adore, ces leggings-là sont tellement de bonne qualité, là, que c'est sûr que si vous voulez vraiment opter pour la qualité, je vous conseille d'opter pour Gymshark, j'en ai vraiment beaucoup de vêtements Gymshark aussi, puis j'adore ça. Mais ceux-là, c'est quand même une belle... alternative. En tout cas, rest in peace. Je sais pas pour vous, mais moi je trouve ça tellement beau quand on s'entraîne de porter des matching sets, genre de porter comme un top avec des leggings qui sont de la même couleur ou qui fit. Donc je me suis pris ce petit matching set là. Ça venait pas ensemble, c'est moi qui les ai agencés pour les porter les deux ensemble. Dans le fond, c'est des petites shirts, genre comme ça, des petits cuissards là. Ils montent vraiment très très haut là. Moi qui suis quand même vraiment petite, j'ai comme un petit torse, mais ça monte très haut là, tu sais. Dans le fond, quand je porte les deux ensemble, ça c'est le t-shirt comme ça. Quand je porte les deux ensemble, il y a comme pas vraiment d'espace. Il faut comme que je les plie un peu pour qu'on voit comme l'espace ici, là, ce qu'on est supposé voir normalement en haut du ventre. Mais je les aime tellement, là, la couleur est tellement nice, c'est comme un genre de mauve, là, un genre de gris mauve, un gris foncé mauve. Ça soutient vraiment bien. J'ai pris small dans les deux, puis ça me fait quand même bien. C'est peut-être un petit peu serré, mais dans des vêtements de sport, j'aime ça que ça soit serré, là, parce que tu sais, il faut bien que ça aide du soutien pour s'entraîner.
pas que ça tombe pis tout. Je vous le recommande énormément. En plus, si vous voulez, ce top-là, là, ils font aussi juste en top de sport là, pour qu'il va fitter avec celui-là aussi. C'est nice si vous voulez pas genre un t-shirt. Moi, je trouve ça nice parce que je peux le porter aussi en t-shirt de la vie de tous les jours. Je les aime beaucoup. Ensuite, je vais faire une commande un peu plus tournée vers l'été, des vêtements un peu plus d'été. Ça reste quand même printemps. J'ai pris beaucoup de pantalons longs. De toute façon, les pantalons longs que je prends souvent, ils sont quand même assez lousses. Fait que l'été, ça peut être aussi bien porté. Donc, tout d'abord, je me suis pris des maillots. Hey, throwback à la première vidéo que j'avais fait de chaîne où je vous montrais des maillots que j'étais acheté. Je les ai encore pour la plupart, pas tous. Mon style a un peu changé, fait que ces maillots-là, je les portais vraiment comme genre on repeat, tout le temps les mêmes. Je me suis dit qu'il faudrait bien que j'aille un petit peu de changement, fait que là, je m'en suis acheté des nouveaux. Je vais vous les montrer, je les aime vraiment beaucoup. Premièrement, il y a celui-là, il est mauve. C'est tellement une belle couleur, je trouve. C'est comme ma deuxième couleur préférée après le bleu. Il est comme ça, comme vraiment. Il monte vraiment haut, là, j'aime vraiment ça. Le bas, il est un peu plus cheeky, ça montre un peu plus les fesses. Il avantage vraiment la silhouette, là, comme vous voyez, comme fait, comme ça monte haut sur les hanches, c'est vraiment beau. Je l'aime vraiment, là. C'est un de mes maillots préférés dans ceux que je me suis commandé. J'ai pris small aussi. Hey, ça fit avec mon top en plus, je viens de réaliser. C'est ça pour ce maillot-là. La première paire de jeans que je me suis pris, c'est celle-ci. Dans le fond, je trouvais que ça ressemblait vraiment à une paire de jeans. Il y a comme plein d'influencers avec encore Princess Polly. Comme je vous dis, moi j'aime vraiment beaucoup les vêtements de Princess Polly. Souvent j'essaie de trouver des vêtements qui ressemblent. Donc j'ai trouvé ceux-là qui ressemblent vraiment beaucoup. Ils ont comme des poches comme ça avec un genre de des petits détails comme ça. Je les aime tellement là. Ça c'est mes jeans préférés. Je les porte tout le temps depuis que je les ai. C'est vraiment avantageux là. J'ai pris des small. J'ai vraiment été audacieuse parce que normalement quand je prends des small en pantalon là, ça me fait jamais parce que moi j'aime ça que ce soit petit à la taille mais plus lousse au niveau des jambes parce que j'ai comme plus des grosses cuisses mettons. Fait que souvent ça fonctionne jamais là. Soit ça fait aux cuisses mais à ma taille ça fonctionne pas du tout ou le contraire ça fait à ma taille mais mes cuisses c'est trop serré. Donc là c'est ça. Là ceux-là ils sont parfaits. La taille elle est serrée. Les cuisses sont lousses puis c'est comme vraiment lousse aussi au niveau des là, c'était vraiment très long. Là. Comme vous voyez, je les roule pour les porter parce que je suis très petite. Elles sont parfaites. Je les aime, je les aime, je les aime. Je vous recommande x 1000 si vous cherchez des jeans là, qui sont fashionable. I really recommend these. D'autres pantalons que je me suis pris, ces beaux pantalons-là. Oh mon dieu, pantalons-là noirs. Ils sont comme vraiment flowy là, dans le bas. Là. J'ai mis des élastiques pour pouvoir les porter. Un instant. Ça ressemble à ça dans le bas. Ils sont vraiment, vraiment très, très longs. Là. C'est pour ça que je mets des élastiques pour pouvoir les porter pour le moment là, parce que je vais les faire raccourcir, c'est sûr. Mais sinon, là, elle est parfaite la grandeur. Puis à tous les gens à qui je les ai montrés, ils trippent. On dirait des pantalons de pyjama, mais c'est très, très fashion. Pour l'été, là, c'est vraiment nice parce que c'est confortable, c'est pas trop serré. Quand il fait chaud, là, c'est comme flowy, ça vole dans le vent. Ça va être full cute avec des beaux petits outfits, un petit top blanc, mettons. Vraiment, vraiment mignon. Ensuite, un autre maillot que je me suis pris, c'est un maillot orange flash. Comme vous pouvez voir, je sais que ça saute à l'œil. David, mon copain, me dit, on va pas te perdre avec ça. Vous avez vu comment ça flash? Mais j'aime ça, je trouve ça beau comme ça là aussi là, vous allez voir. Je trouve vraiment que cette couleur-là a l'avantage le teint. Genre on a tellement de l'air bronzé avec un beau orange flash. Là je n'ai pas encore monté le top. Le top ça ressemble à celle-là. C'est comme un bandeau avec deux petites boucles sur les dessus. Vraiment vraiment cute. Là j'ai pris un small celui-là aussi. Non medium, j'ai pris medium quoi. Medium c'est parfait comme taille. Ce bas-là il est vraiment plus, il couvre vraiment beaucoup plus. Là. Fait que ouais, je l'aime vraiment. C'est mon deuxième préféré là avec le mauve. C'est mes deux prêtes dans tous mes maillots. Je les aime beaucoup beaucoup beaucoup. Ensuite, je me suis pris un petit top qui fait vraiment printemps, mais qui peut vraiment être porté en été aussi. Là. Ce petit top-là, vert comme cela, c'est vraiment une couleur populaire. C'est aussi, je pense que ça s'appelle genre Sage. Sage, en tout cas. Je sais que c'est vraiment populaire cette couleur-là. Je trouve ça vraiment mignon. Et, je sais pas, j'aime ça, le vert comme ça. Puis je trouvais ça vraiment mignon avec comme les petits boutons en avant. Celui-là, par exemple, vraiment, prenez plus grand. Là. Tu sais, moi, j'ai pris médium. Comme une chance que j'ai pas pris small. Là, parce que si vous prenez vraiment trop petit, là, les boutons, on voit comme à l'intérieur. Là, c'est comme... Fait que moi, médium, c'est parfait. Il y a plein d'autres couleurs aussi. Si vous n'aimez pas nécessairement le vert, il y a plein d'autres couleurs. Je trouve celui-là, c'est vraiment mignon. Ça fait différent que les autres couleurs que je porte tout le temps, comme du bleu. Puis, c'était pas trop le temps porter du bleu, on a fait de changer. J'ai un petit peu pour mettre d'autres couleurs, donc un petit peu de vert comme cela. Un autre maillot que je me suis choisi, c'est ce beau maillot-là avec comme des anneaux. C'est vraiment un autre effet. Là. Je trouve vraiment que, par exemple, que le maillot est vraiment petit et de très mauvaise qualité. Là, on peut vraiment voir que c'est comme pas la meilleure qualité, disons. Sauf que ça fait quand même vraiment bien. Là, pour vrai, quand que je l'ai mis, je me suis pas sentie comme si c'était de mauvaise qualité. Par contre, je viens de voir que j'ai pris medium puis on dirait vraiment que c'est un small. Là. Faites attention. Là. Si vous voulez le prendre, vraiment size up. Là, prenez pas trop petit parce que sinon, ça ne marchera pas. Ça va être vraiment, vraiment petit. Là. Ça venait avec ce beau petit bas-là qui est comme quand même assez taille haute, mais lui aussi
il couvre vraiment bien à l'arrière. Vraiment, j'aime beaucoup lui aussi, mais c'est pas mon préféré, là, parce que je sais pas. J'ai l'impression que c'est un peu fait cheap, là, comme on voit un peu le. Je sais pas. Mais je l'aime quand même, je trouve qu'il fait bien, là. Un autre top inspiré de vêtements sur Princess Polly, c'est ce petit top blanc-là, comme cela. Il y a comme de la petite dentelle autour, je l'aime vraiment beaucoup, là. J'avais déjà vu d'autres personnes qui avaient pris ce petit top-là de sur Princess Polly, puis je trouvais ça vraiment cute, là. Comme ça va super bien avec d'autres outfits, puis c'est un top qui se démode pas vraiment, je trouve, là. C'est comme un basic un peu. Et j'ai-tu pris medium? Non, j'ai pris small. Il est vraiment fait parfaitement, là. Tu sais, moi, la grandeur, elle est parfaite. C'est pas trop petit, c'est pas trop grand. C'est juste perfect. Un autre petit tank top que je me suis pris, c'est celui-là ici, beige. Il l'avait en brun. J'ai vraiment hésité avant de le prendre. C'est vraiment des couleurs populaires ces jours-ci, beige et brun. La qualité est comme parfaite, là. Elle est juste correcte. On va pas à travers. C'est vraiment. Ça donne l'effet que c'est un petit top. Comme les fashion bloggers, là, vous savez. Vraiment populaire comme ces jours-ci, ces petits tops-là. Fait que j'ai vraiment hâte de porter ça cet été parce que là, présentement, il fait encore un peu froid. Malgré qu'aujourd'hui, c'est une journée où il faisait tellement beau. Wow, je me sens vraiment en été, là. Je suis vraiment motivée de vous montrer ces petits vêtements. Là, puis j'ai trop hâte de pouvoir les porter. Ensuite, je me suis pris une paire de lunettes de soleil. C'est vraiment des lunettes comme badass un peu, là. Je me sens comme une célébrité quand je porte ces lunettes, là. J'ai l'impression d'être genre Kylie Jenner, je vais faire mon épicerie. C'est le genre de lunettes qui sont vraiment belles pour être portées dans des photos Instagram, disons. Ils sont pas très chers. Si vous cherchez des lunettes de soleil, vous pouvez regarder. C'est sûr que Shine slash Shein, c'est vraiment des beaux vêtements, mais c'est pas de très bonne qualité, là. Si vous voulez la qualité, allez pas là-dessus parce que... Vous allez être sûrement déçus. Mais moi, personnellement, j'ai beaucoup de vêtements qui viennent de Shein, puis je ne suis pas déçue, pas du tout. Je les aime tous vraiment beaucoup. Ensuite, je me suis pris une paire de pantalons blancs, comme cela. C'est comme des mom jeans. Malheureusement, ils sont comme trop petites pour moi. J'ai pris small. Je pense vraiment me les recommander en medium. C'est sûr que je vais les retourner parce que les cuisses, comme je vous ai dit tantôt, sont un peu serrées. C'est triste parce que je les trouvais vraiment belles, mais c'est trop petit pour moi. Mais ils sont vraiment belles, sont de bonne qualité. L'affaire que j'aimais pas trop, c'est que le zip, il dézippe vraiment facilement, là, comme. Quand on les porte, le zip a tendance à se dézipper, puis c'est comme pas trop ce qu'on recherche, on va se dire. Je suis bien déçue. Je trouve ça beau, là, des jeans blancs comme ça pour l'été, avec des petits tops coloris. Ah, je vais m'en racheter, c'est sûr, mais garde. Le dernier maillot que je me suis acheté, c'est ce beau petit maillot-là, comme ça, avec des détails dorés. Il y a comme un petit anneau doré au milieu. Il est tellement beau, là, je sais pas, je trouve que ça fait vraiment... qui me fait sentir comme une femme. Le bas, il est comme ça. Il monte vraiment beaucoup haut sur les hanches. Puis derrière, il est vraiment très, très... Il monte pas mal les fesses. Aussi, quelque chose à considérer sur ce top-là, c'est qu'il n'y a pas d'attache derrière. Donc, faut vraiment que vous preniez la bonne grandeur, parce que sinon, ça va soit être trop grand, soit être trop petit. Au moins, les bretelles sont ajustable, mais moi j'ai pris medium, ouais, j'ai pris medium, puis moi c'est parfait comme grandeur. Ensuite, j'ai pris des bijoux. Premièrement, j'ai pris les colliers que je porte à l'instant, je vais vous montrer. Donc j'ai pris ce petit collier-là, les trois ils sont attachés ensemble, c'est comme un genre de petite chaîne ici, comme ça, puis un genre de petit pendentif juste rond. Je trouve ça mignon, des petits bijoux dorés comme ça. Pour aller avec les colliers, je me suis pris aussi des bagues, donc c'est des bagues dorées, là. Attendez, je vais vous les montrer plus proche. Il y a 7 bagues. Puis sur les 7, il y en a une qui me fait. C'est vraiment génial. Donc moi, je pense que normalement, ma grandeur de bague, c'est 6. Donc fiez-vous à ça, elles sont faites vraiment petites. Là, si vous avez des petits doigts, tant mieux. Puis aussi, j'ai porté elle qui me fait. Puis mon doigt est devenu bleu, tu sais. Fait que c'est vraiment dommage, là. Si je sais, c'est sûr, là, les bagues, ils valent 5$, là. C'est sûr que ça va pas être de très bonne qualité, mais... Oh, mon dieu! Ok, non, c'est vrai, ils font... La plupart, ils me font dans mon petit doigt. J'étais comme toute heureuse qu'ils me fassent, mais dans mon petit doigt, c'est sûr que ça fait, là. C'est dommage parce qu'elles étaient vraiment belles en plus, là. Il y a comme plein de petits diamants. Ensuite, il y a une paire de jeans que c'est ma mère qui m'a donné de sa commande, qui lui faisait pas. Donc, celles-là sont vraiment grandes pour moi aussi, mais je pense que je vais les faire raccourcir par la couturière, puis je vais les aimer parce que le tissu est tellement, genre, stretchy. Je les aime vraiment beaucoup, là. Ils sont très très simples, c'est juste des jeans très lousses, fait que c'est ça. Donc si certains de ces vêtements-là vous ont intéressé, je vais tout mettre les liens de chaque item dans la description, donc ça va être super simple pour vous d'aller les magasiner si ça vous intéresse. Moi j'aime vraiment ça quand les youtubeurs font ça. Je vous le fais pour vous cadeau. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo, tout le monde. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser des petits pouces bleus, ça m'aide toujours à faire voir mes vidéos, puis vous pouvez toujours commenter puis me dire quel item était votre préféré. Je trouve ça toujours intéressant de savoir si on a les mêmes goûts. Donc c'est ça, on va se revoir dans une prochaine vidéo, tout le monde. Bye, je vous aime!